Le Healthcare Data Institute recommande de labelliser des circuits de production et d'exploitation de données de santé et de cibler les investissements sur des structures publiques et ou privées qui soient en capacité de produire des données de qualité à l'échelle. Alors au fur et à mesure que la science avance et que les industries de santé produisent des nouveaux dispositifs thérapeutiques ou diagnostiques qui sont de plus en plus complexes à appréhender, qui vont cibler des populations de patients qui ont des maladies parfois très graves et souvent rares, l'enjeu de pouvoir avoir des données de vie réelle qui permet de mieux comprendre comment les nouveaux produits vont pouvoir être au mieux utilisés, quels effets ils vont avoir sur certains types de patients qui ne sont pas exactement des patients qui correspondent aux essais cliniques, c'est-à-dire en vie réelle, sont des enjeux qui sont en train de grandir d'une manière générale un petit peu partout. Très classiquement, on a l'habitude d'utiliser des registres, des cohortes, des dispositifs de collecte ad hoc, et on se rend compte qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'opportunités de pouvoir réutiliser des données directement produites par le soin. Mais ça demande que tous les acteurs se mobilisent et soient prêts à pouvoir faire cela. Donc nous pensons au Healthcare Data Institute qu'il est nécessaire de labelliser des réseaux de confiance. Alors un réseau de confiance, qu'est-ce que c'est ? Ce sont plusieurs hôpitaux qui sont capables de se mettre ensemble pour pouvoir exploiter des données à une échelle qui soit d'intérêt pour la santé publique. Et donc ça veut dire un certain nombre de règles, des gouvernances partagées dans lesquelles tout le monde pourra évidemment s'y retrouver, tant sur le plan de la production scientifique de chacun des hôpitaux, que de l'ensemble de ceci. Et nous pensons aussi qu'il est nécessaire de cibler des investissements puisqu'on ne pourra pas créer autant de réseaux de confiance qu'il y aura d'enjeux de santé publique. Il faut prioriser et il faut faire des investissements qui sont conjoints puisqu'en fait les mêmes données peuvent être utiles aux académiques pour des questions de santé publique et ou vers les industriels pour des questions de santé publique liées à leurs produits de santé. Donc il est tout à fait imaginable qu'on puisse investir concomitamment sur ces mêmes structures.